Nous sommes là. Comme un seul homme au paraclet Saint-Esprit, cher guide, amour de nos vies, Saint-Esprit, cher appui, cher paraclet, onction de Dieu, nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes là, capacité divine, nous sommes là. Oh, notre avantage, nous sommes là. Seigneur, notre différence, nous sommes là. Notre force. Seigneur, notre vigueur, Seigneur, feu dévorant, nous sommes là. Seigneur, notre refuge, nous sommes là. Seigneur, notre forteresse, nous sommes là. Nous sommes là, oh nous sommes là, Seigneur notre vigueur, nous sommes là, oh Seigneur notre sagesse, nous sommes là, Seigneur notre héritage, nous sommes là. Nous sommes là, des murs d'un même cœur. Seigneur, source d'intelligence, nous sommes là. Oh Seigneur, libérateur, nous sommes là. Seigneur, notre bienfaiteur, nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes là, Seigneur, le bras du Seigneur, nous sommes là, Seigneur, bras de l'Éternel, nous sommes là, Seigneur, notre délivrance, nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes là, Seigneur notre bannière, nous sommes là, oh Seigneur notre percée, nous sommes là, Seigneur notre témoignage, nous sommes là. Notre distinction, notre différence, Seigneur, notre rémunérateur, nous sommes là. Seigneur, notre juste juge, nous sommes là. Seigneur, notre vengeance, nous sommes là. Rétributeur des méchants, Seigneur sauveur, Seigneur notre confident, nous sommes là. Oh Seigneur notre appui, nous sommes là. Seigneur notre rocher, nous sommes là. Notre assurance, notre fondement, Seigneur, notre guérisseur, nous sommes là. Ah,
Seigneur, notre espérance, nous sommes là. Nous sommes là. Seigneur, notre asile, nous sommes là. Nous sommes là. Seigneur, feu dévorant, nous sommes là. Oh, Seigneur, notre capacité, nous sommes là. Nous sommes là. Seigneur, notre délivrance, nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. J'ai dit, Seigneur, notre rémunérateur, nous sommes là. Nous sommes là. En toi, nous ne serons jamais confondus. Nous sommes là. Rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Seigneur qui entend, qui répond, nous sommes là. Nous sommes là. Oh Seigneur, notre berger, nous sommes là. Nous sommes là. Seigneur, notre guérisseur, nous sommes là. 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 Seigneur qui nous couronne, nous sommes là. Nous tu as remis une couronne de magnificence sur nous. Nous tu as restauré, Seigneur, la couronne de gloire. Nous en Jésus-Christ, nous à notre rédemption. Seigneur qui nous a délivrés de la couronne d'épines, qui a restauré la couronne d'éclat de magnificence. Nous sommes là. Seigneur qui a pris notre place à la croix, nous sommes pour nous donner là. Ta place, nous pour nous restaurer l'héritage. Seigneur, notre distinction, nous sommes là. Nous sommes Seigneur, là. Notre lumière ainsi que notre salut. Nous sommes là. En toi, nous ne serons jamais confondus. Nous sommes Ce n'est pas là. Notre histoire. Nous sommes nous là. Sommes là. Seigneur qui change les destinées, qui a pris notre malédiction à la croix, qui nous a donné à ma père la bénédiction d'Abraham, c'est déjà accompli. Mais nous sommes là. Seigneur qui nous a aimés le premier, alors que nous étions tous encore pécheurs. Seigneur qui n'a pas regardé à ton égalité avec le Père, mais tu t'es sacrifié. Seigneur Jésus, héros qui nous a sauvés, qui a pris ma place et m'a donné ta place, qui a entendu la voix de mes supplications. Oh, nous sommes là, nous sommes là. Seigneur, tu es le rocher des âges, quiconque te prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Nous sommes là. Ton nom
Jésus Sauveur Libérateur. Nous sommes. Il n'y a pas d'autre nom. Nous sommes. En dehors de ton nom. Seigneur Sauveur, salut, délivrance. Seigneur en qui toute ma confiance est posée. Rocher bâtisseur de ma destinée, ma postérité et ma santé. Seigneur, je n'ai pas d'autre appui que toi. Non, Seigneur, je n'ai pas d'autre fondement. Seigneur, je n'ai pas d'autre espérance. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Seigneur, je n'ai pas d'autre espérance. Je ne veux pas d'autre paraclétos que toi. Je ne veux pas d'autre sur moi. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Je ne veux pas d'autre appui, d'autre refuge. Car il n'y a aucun autre que ton nom qui peut sauver. Seigneur, je ne veux pas d'autre berger que toi. Oh, nous sommes là. Oh, nous sommes là. Seigneur, nous ne voulons pas d'autre escorte que toi. Nous ne voulons pas d'autre guide, d'autre bouclier que toi. Nous ne voulons pas d'autre romance, d'autre amoureux que toi. Personne ne peut prendre ta place. Où est la première place? Seigneur, à qui nous donnons la prééminence? Ô Jésus, toi seul viens prendre la première place. Nous t'accueillons comme le commandant en chef de ces vases. Viens établir ton règne, viens asseoir ta puissance. Seigneur, viens en nous, au milieu de nous, comme un feu dévorant, comme une violente tempête. Viens établir ton ordre, viens manifester ton règne, asseoir ta puissance. Aucun autre droit ne sera trouvé en nous. Seigneur, viens asseoir ce soir ta prépondérance. Ne laisse aucune cohabitation s'asseoir en nous. Tu as dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Et nous sommes d'accord. Et nous disons amen. Seigneur, ne laisse personne d'autre s'asseoir en nous. Seigneur, ne laisse personne d'autre avoir sa main sur nous. Ne laisse personne d'autre résider à l'intérieur de nous. Viens prendre toute la place, viens asseoir retrouver. Seigneur, ne laisse aucune voix que ta seule voix parler dans nos vies, façonner vers nos destinées. Ne laisse aucune autre voix accomplir ses prophéties. En dehors de ta voix, Abba, nous sommes là. Ne laisse personne d'autre parler, accomplir ce qu'il a dit.
en dehors de ta parole, de ta voix, donne, Père. Ne laisse aucun autre projet abattre que tes projets. S'asseoir en nous et établi en nous. Tu as 21 jours pour dégager tout le reste. En dehors de ta main, de tes plans, abattre de tes projets. Ne laisse aucun autre plan, projet que tes projets. S'asseoir en nous, faire s'accomplir en nous. Dieu jaloux, feu dévorant, nous t'implorons. Viens rétablir l'ordre divin, Père, asseoir ton secret. Ne laisse personne d'autre que toi asseoir sa volonté. Père, nous t'implorons, Père, nous t'invoquons. Dans le nom précieux, Abba de Jésus-Christ, viens asseoir ton gouvernement et ton emprise. Viens manifester les projets que tu as formés avant la fondation du monde. Père, nous sommes là pour t'implorer, te supplier, toi se préparer. T'implorer à ma Père, te supplier, toi se sois visible. Qu'on parle de toi, de tes œuvres, ta nature, ta puissance. Père, ta volonté, Père, tes seules œuvres. Qu'on parle de tes miracles, tes prodiges ainsi que tes signes. Ne laisse personne d'autre que Jésus être glorifié. Ne laisse pas d'autres œuvres, Père, que tes œuvres être visibles. Abba, nous t'implorons, Père, nous te supplions. Entends ce soir la voix de nos supplications. Entends les réclamations, Père, de nos cœurs. Ne laisse aucun autre que toi prendre plaisir à ce que nous sommes, à ces vases de terre. Ce soir, Abba, nous invoquons le Dieu jaloux qui n'accepte pas la concurrence, la rivalité. Ne laisse personne d'autre que toi-même accomplir tes desseins. Oh Dieu jaloux, oh feu dévorant, nous refusons, Père, toute cohabitation. Nous refusons à bas tout autre agenda. Tout agenda qui n'est pas le tien à bas. Viens le consumer. Viens le brûler. Ce soir à bas, Père, viens nous réquisitionner. Pour rendre le Christ visible dans notre époque. Pour rendre les œuvres de Dieu seules manifestées. Aucune autre œuvre en dehors de tes œuvres. Ce soir nous t'implorons, nous te supplions. Quiconque espère en toi ne sera pas confus. Ce soir nous invoquons le Dieu de fidélité, le Dieu redoutable et le Dieu terrible.
ce soir nos impôts quand le bras du Seigneur. Ce soir nous invoquons le juste, juste. Ce soir nous invoquons le Dieu de l'ombre. Viens remettre l'ombre là où il y avait le désordre. Ce soir nous invoquons le feu dévorant. Ce soir nous invoquons le réparateur des brèches. Ce soir nous invoquons celui qui fait tout à merveille. Tu t'appelles Jésus-Christ, tu t'appelles Dieu le Père. Quiconque espère en toi ne sera pas confondu. Quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Lorsqu'on tourne vers toi, Abba, Père, les regards, on est rayonnant de joie. Le visage n'est pas confus. Ce soir, nous invoquons le Dieu de justice. Viens juger les adversaires de tes projets. Viens juger les adversaires de tes desseins, de ta volonté, au feu dévorant. Viens manifester ce soir tes jugements. Il est écrit, Père, lorsque les justes crient, le Seigneur entend. Nous sommes là, de même que ce soir ne laisse pas les ténèbres subsister. Ne laisse pas les voix des méchants pères se moquer. Et dire au sujet rabat de tes rachetés. Mais où est donc leur Dieu? Ne les laisse pas se moquer. Ne laisse pas les voix des orgueilleux parler. Ne laisse pas les verdicts des incrédules s'accomplir. Comme un seul homme, ma mère, nous t'implorons. Nous crions à toi. Afin que tu apparaisses, que le Dieu invisible devienne visible, que le Dieu de justice devienne visible, que le Dieu des délivrances devienne visible. Esprit avec corps dans ses foyers. Le rémunérateur des justes devienne visible. Que le rétributeur des méchants devienne visible. Que le Dieu des libertés devienne visible. Nous sommes là. Nous sommes là. Que le rétributeur des méchants apparaisse. Que le destructeur de la sorcellerie devienne visible. Que le dépouilleur des autorités des dominations devienne visible. Dans ces phrases de terre, viens ébranler les systèmes. Viens ébranler les royaumes et les systèmes qui retiennent en otage les rachetés. Alors que ton peuple s'assemble pour t'invoquer, c'est toi qui as dit, entendez ce que dit le juge unique.
C'est toi qui as promis que lorsque les élus t'invoqueront nuit et jour, tu entendras. C'est toi qui as promis de faire justice, de venger nos vies, de venger nos destinées. C'est toi qui as promis que quiconque t'invoque jamais ne sera dans l'embarras. Abba, mais comme un accord est d'une même âme, que nous t'implorons, manifeste-toi, manifeste le Dieu qui fait tout à merveille. Abba, Père, le guérisseur. Nous sommes là. En visible, Abba, le Dieu de la faveur. Le Dieu des portes ouvertes. Le Dieu de la libération. En visible, Abba, le Dieu qui y sauve. Le sauveur de nous et de tous nos maisons. Nous sommes là. En visible, celui qui a dépouillé autorité et domination, qui les a publiquement livrés. En visible, le Dieu d'amour et de bonté, nous sommes là. Le seul autorisé à nous conquérir. Juger les forteresses et les esprits méchants, les esprits de rejet, les esprits d'impudicité. Viens juger ce soir qui nous empêche de te ressembler. Viens juger quiconque nous empêche de te refléter. Juger les forteresses qui ont pris nos cœurs et qui nous ont défigurés. Viens rendre apparaître. Sois le seul Jésus-Christ visible dans nos cœurs. Oh, sois le seul visible à travers nos émotions. Sois le seul visible à travers nos sentiments, nos systèmes de pensée. Ne laisse personne s'asseoir. Sois visible à travers ta parole. Viens asseoir en nous ta mentalité, ta sainteté, ta pureté. Ceux qui ont défiguré notre caractère. Viens juger les esprits de peur, d'inquiétude. Viens juger les esprits de colère, de jalousie. Nous sommes là comme des sacrifices vivants. Viens juger quiconque n'est pas le Saint. Viens juger quiconque faisait entendre sa voix. Viens juger toute voix qui résonnait en nous, qui n'était pas Seigneur ta voix. Viens la juger, mon enfant. Viens juger quiconque parlait à mon cœur. Toute voix qui n'est pas celle du Saint-Esprit. Nous sommes là. Viens juger les serpents et les scorpions. Nous qui connaît pas l'Esprit Saint, qu'il soit permis juger ce soir. Nous viens juger tous
ceux qui nous avaient enlacés. Viens juger tous ceux qui nous avaient embrassés. N'était pas l'étreinte du Saint-Esprit. Nous appelons le Dieu jaloux. Nous appelons le Dieu jaloux. Viens juger quiconque parlera nos cœurs. Viens juger toute voix père qui se moquait. Viens juger toute voix qui nous limite. Dans les affaires des hommes, viens t'exprimer, Seigneur, te manifester. Viens arracher, dégager tout ce qui n'est pas de toi. Mais nous sommes là comme des sacrifices vivants. Viens arracher de nos vies ce que tu n'as pas planté. Viens consumer ce que tu n'as pas agréé. Viens arracher ce qui nous défigurait. Les forteresses, ces prisons intérieures. Viens asseoir uniquement, Père, ton amour. Oh, viens répandre dans nos ton amour. Viens irradier, saturer de ton amour. Paix nos émotions, ainsi que nos sentiments. Viens pénétrer, Seigneur, notre subconscient. Viens irradier, pénétrer notre conscience. Seigneur, notre adoration. Aucun autre toi ne doit subsister en mort. Viens entendre la prière des oiseaux fait. Viens entendre le désir des oiseaux fait. Ne laisse pas la cohabitation demeurer. Les adversaires de nos destinées. Viens juger les adversaires de notre liberté. Viens juger les adversaires de notre santé. Esprit avec quoi nous sommes. Viens juger les ennemis de notre santé. Viens juger les ennemis de tes prophéties. Viens juger les saboteurs, les adversaires. Nous sommes là. Nous sommes là. Viens asseoir ton emprise, ton gouvernement. Sois le seul à nous remplir. Nous conduire. Nous sommes là. Sois le seul à nous équiper de nos spirituels. Aucun autre don en ne revêt de tes dons. Viens brûler les dons hérités de la sorcellerie. Oh Père, ce qui est don hérité de la belle manière de vivre de nos pères, viens le brûler. Les saletés des dons spirituels, mystiques, occultes, sataniques, viens les arracher. Viens les brûler au son de ma voix. Viens consumer ce que tu n'as pas créé.
les consumer, les feux étrangers. Nous sommes là. Qu'un seul feu subsiste à ma paix sur l'autel. Nous sommes le là. Feu de Dieu. Étranger perçoit consumé, soit remplacé par le feu de ta sainteté. Viens consumer toute passion qui n'est pas de toi. Viens consumer les convoitises. Viens purifier ton temple. Viens purifier les vases purs. Viens consumer, brûler tout père arraché. Jusqu'à ce qu'un seul soit pleinement formé en nous. On l'appelle le Christ, le glorieux Saint-Esprit. Viens brûler ce que tu n'as pas agréé. Car nous sommes ton temple. Ton palais, de la tête aux pieds, viens brûler ce que tu n'as pas agréé. Quel que soit son nom, viens consumer. Viens consumer les kystes, les myomes, les fibres, les virus quelconques et toutes les bactéries. Ce qui affaiblit ses mollesses détendant, feu dévorant, atterrit ce soir. Viens comme un feu terrible et redoutable. N'est pas rien que tu n'es pas agréé. Viens asseoir ton domination, viens guérir les corps malades, viens purifier les systèmes, viens brûler, rôtir ce soir les tumeurs, les dérèglements, les dysfonctionnements, viens rôtir les serpents qui se promenaient. Les veines sataniques qui nous ont été communiquées. Viens faire parler la voix du sang de Jésus. Viens faire parler la voix du sang de notre héros. Viens comme un feu, viens Seigneur, avec puissance. Nous sommes. Ne laisse personne d'autre siéger sur les trônes de nos vies. Ne laisse personne d'autre s'installer aux commandes. Ne laisse personne d'autre contrôler notre caractère. Aucune forteresse en dehors de Jésus. Sois ton feu, ta puissance en nous. Viens manifester tes desseins, ta volonté. Nous te plongons à ma paix au nom de Jésus. Nous sommes là. Nous sommes là. Mama Chato qui me ratas, la tova là. Nous invoquons le Dieu jaloux, nous invoquons le Dieu de jugement. Laisse le feu. Oh Matatia, Elata Saka, oh Malito, Matun Sakara,
Ayarama, oh, Sekatopara, Isakatopara, Ade Paroya, Isemadoya, Isetetea, Rote Braco Parata, Mantopri, Isakatopare, Iseteke Parani Mosi, O Paratusea, Marena Malo, Eseto Krakatos Kemalika, O Maradose, Malisita. Dieu de jugement, Dieu jaloux, Dieu de jugement, Dieu de justice. Oh, Dieu réquisitionné ton temps, Dieu réquisitionné cette maison, Dieu réquisitionné ce foyer, Dieu réquisitionné ses enfants, Dieu réquisitionné ma maison, afin que moi et ma maison, nous servions, oh, Barada, Issa, Ramaché de Kabbalah, oh, Barado, Issa, ma tante opérée. Oh, Barana, she took him up. Alamato Separia, the Atacato Sapa, oh, Maleto Sapara, oh, Mahalea, Ishato Barati Sapa do Pere, oh, Baratuske, Matuskapa, oh, Barata, Ayaramato Saperia. Pas le rival. Lui ne tolère pas. Lui ne tolère pas. La raison pour laquelle il y a des manifestations de lui, des dimensions de lui que tu n'as pas vues. Ils me disent parce que toi, tu as toléré. Tu as toléré l'impudicité dans tes pensées. Tu as toléré ton comportement jaloux. Tu as toléré les critiques. Tu as toléré la méchanceté. Tu as toléré. Lui ne tolère pas. Mais il ne peut pas te délivrer de ce que toi tu tolères. Tu as toléré la peur. Tu as toléré le doute de la foi. Tu as toléré l'amertume. Parce que tu as été séduit par les forteresses. Tu as toléré la méchanceté, l'aigreur. Tu as toléré la critique, le manque de miséricorde. Parce que toi, tu as pris plaisir à pointer les gens du doigt. Tu as toléré. Mais lui, il ne tolère pas. Et parce que tu as toléré, alors il y a des choses qui ont dégradé ton caractère. Il y a des choses qui ont corrompu ton caractère, qui ont corrompu ton âme, qui t'ont défiguré de l'intérieur et qui m'ont empêché d'être pleinement formé, manifesté en toi. La création ne m'a pas reconnu à travers toi. Les démons ne m'ont pas reconnu à travers toi. Oui, tu as prié, mais ils n'ont pas reconnu. Ils ont scanné qui est en train de parler. Ils ont scanné dans le monde invisible. On entend une voix, mais on veut une authentification visuelle. Qui est-ce qu'on voit à travers lui? Et quand ils ont fait scanning, authentification visuelle, ils n'ont pas vu moi visible. Ils ont vu la jalousie. Ils ont vu les critiques. Ils ont vu l'erreur. Ils ont vu la méchanceté. Ils ont vu la tolérance de la légèreté. Ils ont vu la débauche. Ils ont vu ces choses que tu tolérais. Et quand ils ont vu, ils ont dit, oh non, il n'y a rien. Authentification non confirmée. Parce qu'on entend la voix, mais quand on voit le visage, on ne voit pas le lion de la tribu de Juda. Quand elle parle, quand il parle, on ne voit pas le lion. On entend la voix, mais quand on regarde à l'intérieur, on sait que c'est comme notre maître. Il rôde comme un ange rugissant. Mais nous, on sait qu'il a la voix d'un lion, mais il n'est pas un lion. Les démons savent que le maître, leur maître n'est pas un lion. Il a juste la voix de la menace et de l'intimidation, la voix de la peur. Mais ils savent qu'à l'heure de l'authentification visuelle, on ne voit pas un lion. On voit un menteur, on voit un vaincu, on voit un mouillé, une poule mouillée, on voit un débrouillé. C'est ça qu'on voit. La voix ne suffit pas. La
voix ne suffit pas. La prière ne suffit pas. Les démons regardent. Authentification visuelle. Qui est visible à travers elle? Qui est visible à travers lui? Et l'Esprit me dit de te dire, quand on a regardé authentification, on a vu un décalage, on a vu une dissonance, une divergence entre la voix et le visage. On a dit c'est la voix de Jacob, mais ce n'est pas le visage. C'est la voix d'Ésaü, mais c'est le visage d'un autre. C'est la voix, mais ce n'est pas le même visage. Oh, pour que la prière soit exaucée, pour que les montagnes soient déplacées, pour que ta voix ait du poids et que tes prières soient exaucées, pour qu'il y ait la percée et les portes ouvertes, il faut qu'il y ait authentification entre la voix et le visage. Mais on n'a pas vu le visage. On n'a pas vu son visage. On n'a pas vu le lion de la tribu de Juda. Non, on ne l'a pas vu. On a vu le visage de la débauche, le visage du cynisme, du manque d'empathie, du manque de compassion, du manque de miséricorde. On a vu un juge humain qui voulait prendre la place du juge divin et qui voulait juger les gens. On a vu quelqu'un qui regardait aux yeux des autres, mais qui ne regardait pas à ses yeux. Alors quand tu as prié, tu as pleuré, tu as crié, ils ont dit « Ok, on entend la voix, mais quand on voit le visage, ouf !» Ce n'est pas le Christ. Il n'est pas pleinement formé. Il n'est pas visible à travers lui. Il n'est pas visible à travers elle. C'est bon, les démons. Continuez votre travail de démolition. Continuez de résister. Continuez encore de résister. Ne vous inquiétez pas. Il ne se passera rien. Oh non. Rada Shatoke Parada. Amado Kotapara. L'Esprit me dit c'est toi. Lui ne tolère pas. Mais tu as toléré. Tu as toléré. Tu as toléré l'amertume. Tu as toléré les jalousies. Tu as toléré les blagues. Tu as toléré les forteresses. Ce soir, décide de t'en débarrasser. Ce soir, demande pardon à Dieu. Dis à Dieu, je ne tolère plus. Dieu jaloux. Parce que pour que le Dieu jaloux se manifeste, pour que le Dieu jaloux se signale par de merveilleux exploits, par son bras fort et sa main étendue. Il ne faut plus qu'il y ait de cohabitation en amour et l'amertume. Il ne faut plus qu'il y ait de cohabitation en la sainteté et la souillure. Il ne te demande pas la capacité, mais il demande ton cœur. Il demande que dans ta volonté, dans ton cœur, tu fasses la guerre aux pensées qui ne sont pas ses pensées, aux désirs qui ne sont pas ses désirs, aux motivations qui ne sont pas ses motivations, aux émotions qui ne sont pas ses émotions. Il sait que tu n'as pas la capacité. La capacité vient de lui. Il ne te demande pas la capacité, mais il te demande un cœur tout entier, un cœur qui crie à lui, un cœur qui le réclame, un cœur qui dit non, ne me laisse pas avec cette impureté, ne me laisse pas avec cette débauche, je ne supporte plus, je ne veux plus entendre ses voix, je n'en veux plus, je divorce, je me sépare, je ne veux que toi, je t'en supplie, si tu n'es pas là, ne me laisse pas, je ne veux que toi, je t'en prie. Maintenant, mon frère, il te donne l'occasion, parce que le Dieu jaloux, le Dieu qui ne tolère pas de rival, ne peut pas passer là où toi tu tolères. Il n'a pas tout le pouvoir, il est tout puissant. Mais dans ta vie, il n'est pas tout puissant parce qu'il ne transgresse pas ton libre arbitre. Il ne transgresse pas ta volonté. Il respecte ta volonté. Mais s'il trouve une volonté, une résolution qui est alignée à sa volonté, s'il trouve un cœur qui ne réclame que lui, qui ne désire que lui, ah mon frère, alors tu es qualifié pour vivre l'expérience de Paul et Silas. Il est prêt à fondre dans une prison. Le Dieu jaloux est prêt à rentrer dans cette prison. Il est prêt à démolir ses forteresses. Il est prêt à démolir cette condition. Si seulement tu te sépares, si seulement tu te sépares et tu te sépares de ce qui est vil, tu le distingues de ce qui est précieux. Si tu décides que c'est moi le précieux, c'est moi l'important. Si tu décides, je vais me manifester dans ta vie comme le Dieu jaloux. Élève la voix. Peut-être que ce n'est pas toi, mais ton voisin. Ce n'est pas ton voisin, mais toi, mon frère, toi, ma soeur, élève la voix. Fais entendre la voix de tes supplications. Fais entendre la voix de tes gémissements. Non! Non! Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. La main, le bras du Seigneur n'est pas trop court pour sauver. Ésaïe 59. Non, son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Et ce sont vos péchés qui ont mis une séparation. Ce sont vos iniquités qui vous ont caché ma face. Ce sont vos seuils de tolérance à la cohabitation. Ce sont vos tolérances à la souillure. Vos tolérances qui m'ont éloigné de vous.
parce que mon nom est saint. Je suis saint, je ne peux pas. Si je ne suis pas désiré tout seul, tout entier, je n'accepte pas la cohabitation. Alors, si tu tolères, je suis obligé d'accepter ce que tu tolères. Mais le jour où tu arrêtes de tolérer, tu me permets de m'exprimer dans ta vie. Alatokabara. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut crier au Dieu jaloux, demander pardon? Oh, pardonne-moi, j'ai toléré. J'ai toléré des rivaux à toi. J'ai toléré des rivaux dans mon caractère. J'ai toléré le blâme. J'ai toléré l'insulte. J'ai toléré les murmures contre les autorités, contre mon père, contre ma mère. J'ai toléré, mais je te demande pardon. J'ai toléré la rivalité. C'est moi qui ai toléré. Ah, Rama, Esato, Bara, Isaya, Bereto, Kapara, Amate, Teyarama. Oh, madame, Isobraheto, Parama. Et ce sont vos péchés qui vous cachent ma face. Non, ma main n'est pas trop courte pour sauver, ni mon oreille trop dure pour entendre. Aratopara, Itatapara. Ce sont vos péchés, ce sont vos iniquités. Ce sont vos cohabitations. C'est votre seuil de tolérance. C'est ce que vous avez toléré à l'intérieur de vous. Moi, je ne tolère aucun rival. Mais toi, tu dois tolérer des rivales à moi, des rivales à l'amour, des rivaux à l'amour. Tu as toléré des rivaux à la douceur. Tu as toléré la colère. Tu as toléré des rivaux à la sainteté. Tu as toléré des pensées de débauche, des pensées cochonnes. Tu n'as pas crié à moi. Tu n'as pas crié à moi. Tu ne m'as pas imploré. Tu les as tolérés. Tu as toléré la légèreté. Tu as toléré la manipulation. Tu as toléré le mensonge avec la vérité. C'est voilà pourquoi je n'ai pas pu me manifester. Oh, Maré, Mado, Mara. C'est Kato, Mara. Oh, Maro, Yale, Makito, Samara. Oh, les Madous, Kemrata. Oh, pardonne-moi. Pardonne-moi. Et compassion de moi. Et compassion de moi. Pardonne-moi. Mon seuil de tolérance. Ma tolérance, ma cohabitation. Oh, la cohabitation. Quand tu as toléré ces pensées, tu es rentré dans la cohabitation. Tu as permis la cohabitation de s'installer. Oh, Ramadé, tu as critiqué la dîme, tu as critiqué les offrandes, tu as accepté la pauvreté, tu l'as toléré, tu as fait mon rival. Voilà pourquoi je ne peux pas manifester ma richesse surnaturelle. Tu as toléré par tes pensées. Tu as toléré par tes pensées. On pêche par les pensées. Le péché commence dans les pensées. Chaque fois que tu as murmuré contre ton père, quel que soit ce qu'il a fait, tu as murmuré contre ta mère, tu as toléré l'esprit de rébellion, tu m'as empêché de manifester, tu as toléré les pensées de débauche, tu les as avalées parce que tu n'as pas couché, tu as toléré, tu n'as pas crié à moi, tu n'as pas crié, tu n'as pas été désespéré comme Anne, tu n'as pas crié comme Bartimée, tu n'as pas lutté jusqu'au sang avec le péché, tu as toléré. Il a dit, vous serez saints comme je suis saint. La sainteté, c'est lui qui te l'impute. Il ne compte pas sur toi pour être saint. Ça veut dire mis à part. Tout ce qu'il te demande, c'est mets ton cœur à part. Je m'occupe du reste. C'est moi qui assieds ma sainteté en toi. Je ne peux pas l'asseoir lorsque ton cœur n'est pas saint. Et lorsque tu tolères, tu cohabites, tu acceptes, tu n'as pas la haine du mal. C'est ça qu'il attend de toi.
Je suis le Dieu jaloux. Je ne tolère pas. Et je ne peux rien faire. Dans la vie de quelqu'un qui tolère. Parce que les forteresses te disent, oui, mais c'est normal que tu tolères ça. C'est normal que tu acceptes de penser comme ça. C'est normal que tu penses comme ça. Regarde comment il t'a traité. Regarde comment il t'a fait. Regarde ce qu'on t'a fait. Regarde comment il t'a traité. Et tu as toléré. Tu as toléré les creux. Tu as toléré la débauche. Tu as toléré les murmures. Dans ton cœur, tu as toléré les murmures. Tu as toléré le jugement. Tu as pris la place de Dieu. Tu t'es pris pour Dieu. Un seul est juge. Un seul est législateur et juge. Dit Jacques, un seul. Mais toi, tu as dit non, moi je serai juge. Alors je vais donner des points aux gens. Un tel est méchant. Un tel est sorcier. Toi, tu es Jézabel. Toi, tu es la Delila, la séductrice. Tu as jugé. Tu t'es transformé en juge. Ma Bible dit un seul est juge et législateur. Qui es-tu, toi? Qui es-tu? Et tu n'as pas vu qu'en jugeant les gens, en pointant les gens, le ciel t'a pointé. En retenant les gens, le ciel a retenu tes fautes. En blâmant les gens, le ciel aussi t'a blâmé. Tu n'as aucune idée du nombre de fois où tu as eu des pensées qui n'étaient pas irréprochables. Et parce que tu n'as pas couché, tu penses que tu es quelqu'un de bien. Parce qu'on ne t'a pas pris en flagrant délit, poser des actes, tu penses que tu es quelqu'un de bien. Non, tu n'es rien. Ta justice, dit encore Esaïe, est comme un vêtement souillé devant Dieu. T'es bonne, ta bonne conduite, quand tu dis, moi je suis bien, moi je me préserve. Non, pour Dieu ça ne vaut rien. Peanut, c'est rien. Dieu ne t'agrée pas à cause de ta bonne conduite. Dieu t'agrée à cause de ton positionnement en Christ. Parce que quand il te voit, il ne te voit pas. Si Dieu te voyait, quelle que soit ta bonne conduite, il t'aurait frappé. Parce que le péché commence dans les pensées. Quiconque regarde une femme pour la combattre dans son cœur a déjà commis l'adultère. Ta pensée est déjà attirée un jugement. Tu n'as même pas besoin de passer à l'acte. Ta pensée attire un jugement. La raison pour laquelle il ne t'a pas jugé, c'est à cause de l'intercession de ton grand frère, ton souverain sacrificateur, qui intercède pour toi devant le Père, nuit et jour, en disant, Père, pardonne. Père, aie compassion. Père, pardonne. Regarde mon sang versé pour leur délivrance, leur rédemption, leur protection et leur guérison. Père, agis, pas à cause de leur bonne conduite, pas à cause de leur fausse sainteté, pas à cause de leur fausse immaturité, mais à cause des mérites de mon sang, à cause de ce que mon sang a été agréé devant la cour céleste de justice. J'ai pris leur place et je leur ai donné ma place. Père, à cause de mon sang, pardonne. Alors le Père qui voulait frapper dit, j'accepte à cause du sang. Et toi, tu penses que c'est à cause de ce que je suis encore vierge. Tu n'es pas vierge. Tes pensées ne sont pas vierges. Il n'y a rien en toi de vierge. C'est le sang qui t'a rendu vierge. Il n'y a rien en toi de vierge. C'est le sang qui t'a rendu vierge. Raka, Mala, Obara, Obara, Oshalama, Imata, Rakepara, reprends-toi. Éclave sa sainteté. Débarrasse-toi de ta justice. Débarrasse-toi de tes faux raisonnements. Le ciel ne t'a pas approuvé parce que tu penses être quelqu'un de bien. Moi, je suis mature. Non, tu n'es pas mature. Tu es exactement comme ce pharisien qui pensait, oh, moi, je ne pêche pas. Moi, je ne couche pas. Moi, je donne ma dîme. Moi, je ne critique pas les gens. Alors, je suis bien. Non, tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Rako para, élève la voix, implore sa miséricorde, implore ses compassions. Humilie-toi, 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 église. Ramachoto kopara, imateza, iramatosia. Oui, j'ai 10 ans d'abstinence. Tu n'as pas 10 ans d'abstinence. Tu n'as pas 5 ans d'abstinence. Tu as des pensées souillées. Tu as des pensées de débauche. Tu as des pensées de critique. Tu as des pensées de jugement. Tu manques de compassion. Tu manques de miséricorde. Tu te prends pour un juge. Tu n'as pas 10 ans d'abstinence. Ramachato kepere. Oh! Ramakoto sabara. Ramadesatea. Ramadabarabaya. Alamato sakapa.
Allez, Osala, Maria, tout pareil. Il a maté Baro, oh Bara, Chadou, pareil. Oh, Mandazia, et compassion de ma misère, et compassion de ma misère, de la misère de ma famille, de la misère de ma maison, de ma misère de sainteté, de ma misère de fausse maturité, de ma misère, et compassion de ma misère, et compassion de l'état de mon cœur. Je renonce à ce cœur, je n'en veux plus, je n'en veux plus, je divorce avec ces mauvaises pensées, ces forteresses, ces faux raisonnements, ces rivaux que j'ai créés à Dieu, ces rivaux, ces murmures, ces aigreurs, ces désobéissances, ces impudicités. Rama Chateau et Barata Kotopara, et c'était Marado Sabara. Ce qui va se passer la suite de ces 21 jours va dépendre de ton attitude aujourd'hui. Va dépendre de ton attitude aujourd'hui. Va dépendre de ton attitude aujourd'hui. Je suis saint. Je suis saint. Et j'ai dit, vous serez saint, car je suis saint. Je n'attends pas de toi la sainteté dans le comportement. J'attends de toi un désir de moi, que tu mettes ton cœur à part pour moi et que tu me le donnes tout entier. J'attends de toi ton cœur. Si j'ai ton cœur, j'aurai ton corps. Si j'ai ton cœur, j'aurai ton corps. Si je n'ai pas ton corps ne me sert à rien. Si je n'ai pas ton corps ne me sert à rien. Je ne peux rien faire avec ton corps si je n'ai pas ton cœur. Je parlais de la sainteté du cœur. Parce que lorsque le cœur est saint, le corps suivra. Lorsque le cœur est saint, le langage suivra. Lorsque le cœur est saint, le comportement en suivra. Mais la religiosité t'a amené à dire, moi je ne pratique pas telle chose, je ne vais pas en boîte de nuit, je ne suis pas quelqu'un d'anormal, je suis quelqu'un de bien. Non, non, tu n'es pas vierge, tu n'es pas propre, tu es souillé, tu es sale. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui purifie, qui sanctifie. Alors humilie-toi. Ce que je vais faire de ta vie va dépendre de ta capacité, de ta disposition de cœur à t'humilier. Et à faire tomber ses raisonnements, tomber ses forteresses, tomber ses mensonges par lesquels le diable t'a séduit. Je suis le Dieu jaloux qui ne tolère aucun rival. Mais quand tu tolères, je ne peux rien faire. Et quand tu me donnes tout ton cœur et que tu arrêtes la tolérance avec le jugement. Le péché. Mando de Sabira, Rama Chato Kepe, et Roko Mandazia, Rola Marate Kato Maraya Lamadosa, O Maratazale Kato Prateya, O Marate Zetube, Chelo Marate Zeta Maroto, Maria Vaina Ruse Maratu. Corre tous camba, chenere la bassine. Chone la marani. Chone la marani. Chebara tous et te cabra tous. So de pratise O bara shane O bara shane So da ma do I so da ma da do Shane de de shori Je te donne tout de moi. Chote bara, harina matos, ora me chante la madi, vaya namase katosi. Là, c'est entre toi et moi. Il n'y a pas de voisin, il n'y a pas de voisine à côté de moi. Il n'y a que entre Dieu et moi. Oh, maladase, je finis avec l'hypocrisie. J'ai fini avec les apparences comme Saül qui voulait prier pour se faire remarquer. Lève les mains pour qu'on le remarque. Jésus a dit, tu as déjà ta récompense.
Tu fais tout pour qu'on te remarque. Le ciel ne te donnera rien. Tu as déjà ta récompense, hypocrite, comédien. Tu as mis un masque, tu es un vrai acteur. On en cherche à Hollywood, mais pas dans le royaume de Dieu. Romakotos para. Il a dit, approchez-vous du trône de la grâce avec un cœur sincère. Approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Le cœur sincère, chargé d'une bonne conscience. Oh, paradasia. Dès que tu es hypocrite, tu ne t'es pas approché. Tu t'es approché de l'autel physique, mais le ciel ne t'a pas accueilli. Parce que pour entrer dans le Saint des Saints, il faut la sincérité, il faut la pureté de cœur, il faut l'authenticité. Pas la perfection, mais il faut un cœur désireux. Il faut un cœur brisé, pas un cœur hautain, pas un cœur arrogant. Il faut un cœur humble, pas un cœur arrogant, fanfarant, arrogant, orgueilleux, qui veut se montrer. J'ai tel titre à l'église. On s'en fiche de tes titres. Le ciel s'en fiche de tes titres. Tu peux t'appeler comme tu veux. Le ciel ne reconnaît aucun de tes titres. Même les 4 êtres vivants et les 24 vieillards ont jeté leur couronne devant le trône. Toi, tu es qui pour venir devant le trône avec ton attitude gainée, avec une posture pastorale, avec une posture de prophétesse, une posture d'apôtre, une posture de femme de Dieu, comme si tu étais quelqu'un d'important. Tu n'es rien. Le ciel ne t'a pas agréé. Le Saint des Saints ne t'a pas admis. Tu as prié, tu as parlé. Le Saint des Saints t'a fermé la porte. Tu es rentré à l'église. Tu es rentré dans ta chambre. Mais le Saint des Saints n'a pas accueilli. Pourquoi? Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il accorde la grâce. Il dit aux humbles, tu peux venir dans ma présence. Les orgueilleux, il y a une muraille, il y a un mur, il y a une vitre qui est mise devant eux. Ils pensent qu'ils ont prié. Le ciel ne les a pas entendus. Le ciel ne les a pas acceptés. Ils pensent qu'ils se sont approchés du trône. Le trône ne les a pas reçus. Il y a une vitre. Ils ne sont pas passés. Ils n'ont pas traversé. Les orgueilleux ne traversent pas. Les orgueilleux n'accèdent pas. Dieu leur résiste. Dieu leur résiste. Dieu leur résiste. Mais à ceux qui s'humilient, à ceux qui ont l'humilité, il leur tend le sceptre. Il leur dit, viens dans ma présence. Viens dans ma présence. Je vais te débarrasser de tes fardeaux. Viens dans ma présence. Décharge-toi sur moi de tous tes soucis, car je prends soin de toi. Viens dans ma présence. Les orgueilleux ne sont pas admis. Les hypocrites ne sont pas admis. Ceux qui font semblant ne sont pas admis. Ils font semblant. Ils se moquent d'eux-mêmes. Tu te moques de toi-même. Tu ne te moques pas de Dieu. Tu te moques de toi-même. Les démons sont contents. Les anges ont pitié. Dieu a pitié. Tu impressionnes les sœurs. Tu impressionnes les sœurs. Tu es un séducteur. Tu impressionnes les hommes. Tu es une séductrice. Mais c'est pas grave. Mais tu n'impressionnes personne. Le ciel n'est pas impressionné. Il te demande de t'humilier et d'être authentique. Il a réussi à délivrer Rahab. C'était une prostituée. Elle était pas pire que toi. Elle était pire que toi. Tu n'as pas atteint son niveau. Elle a obtenu grâce et miséricorde. Pourquoi tu n'obtiendrais pas grâce et miséricorde? C'est parce que tu es hautaine. Tu es orgueilleux. Tu es orgueilleuse. Mais ça va te perdre. Tu n'avanceras pas parce que le ciel te résiste. Humilie-toi. Humilie-toi. Celui qui s'humilie, il fera voir son salut. À celui qui s'humilie, à celui qui le sanctifie dans son cœur. Sanctifiez dans vos cœurs. Où est-ce que c'est écrit? Sanctifié dans vos cœurs. La sanctification n'arrive pas. C'est pas dans ton corps d'abord, c'est dans les cœurs. Sanctifié dans vos cœurs. Christ le Seigneur. Sanctifié. Car il dit, vous serez saint, car je suis saint. Il n'est pas en train de dire, c'est ça, merci. Mais sanctifié dans vos cœurs, Christ le Seigneur. Sanctifiez-le. C'est le cœur qui doit le mettre à part. Tu ne peux pas le traiter comme les autres. Tu ne peux pas le mettre au même niveau que tout le monde. Tu ne peux pas l'aimer comme tout le monde. Tu dis j'aime Jésus, j'aime les copains, j'aime les réseaux sociaux, j'aime Internet, j'aime les boîtes de nuit, j'aime l'alcool, j'aime les chocolats. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne le sanctifies pas. Pour lui, ton langage doit être différent. Pour lui, quand tu parles de lui, oh, on doit sentir que tout de suite d'abord, tu as juste ta posture.
tu mets d'abord ton cœur au garde à vous. Quand tu vas parler de lui, tu ne peux pas mentir. Là, tu ne peux pas mentir en disant, le Seigneur me dit alors qu'il ne t'a rien dit. Tu viens de le déshonorer. Tu ne l'as pas sanctifié. Sanctifié dans vos cœurs. Christ, le Seigneur. Quand il s'agit de lui, mets ton âme au garde à vous. Dieu parle de ton cœur. Il ne te dit pas, arrête de faire ça avec ton corps. Parce que lorsque ton cœur va arrêter, ton corps accompagnera. Mais toi, tu as accompagné le corps, mais le cœur n'a pas suivi. Il n'a pas été sanctifié. Humilie-toi, Église. Humilie-toi, mon frère. Humilie-toi, ma soeur. Humilie-toi. Il y a une destinée qui doit sortir. Il y a des bébés miracles, prophéties qui doivent sortir. Mais ils sont bloqués par ton cœur. Ils sont bloqués par tes rivaux, les rivaux que tu as donnés à Dieu. Quand il parle, tu contestes. Il parle, tu raisonnes. Tu as murmuré contre l'église. Tu as murmuré contre tes parents. Tu as murmuré contre les gens. Tu murmures, tu aimes ça. Tu aimes critiquer. Tu aimes commenter. Tu aimes calomnier. Tu as toléré des rivaux à Dieu. Et ce sont ces péchés qui t'éloignent de lui. Qui mettent une barrière, une séparation. Rateto para. Oh, la taille, alors moi, Seigneur, nous sommes avec mon frère, ma soeur. Là, Seigneur, nous, on enlève nos masques, on enlève nos casques, on enlève nos couronnes, on enlève nos titres, on enlève nos fonctions, on enlève les honneurs que le monde nous a donnés. Et nous venons devant le trône de grâce à ma Père, avec totale humilité, avec juste le désir de toi. D'être tout entier à toi et de te sanctifier dans nos cœurs, de sanctifier Christ le Seigneur dans nos cœurs, afin qu'il n'y ait même pas de rivalité, de comparaison dans mon cœur entre toi et aucun autre. Je n'ai pas la capacité. Tu ne me demandes pas la capacité. Tu me demandes un cœur qui te sanctifie, pas un cœur qui te banalise. Comment peux-tu mentir là et ne pas te sentir mal à l'aise juste après? Comment peux-tu avoir des pensées impudiques là et avaler la salive et dire comme s'il ne s'est rien passé alors que le ciel a vu et que tes péchés ont été compromis, tes péchés ont été souillés? Comment peux-tu avoir faire injurier quelqu'un dans tes pensées et puis ne pas te repentir? Tu n'as pas sanctifié Christ le Seigneur dans ton cœur. Tu as cohabité, tu as toléré un rival et Dieu jaloux ne peut pas opérer et manifester sa dimension de jalousie. Le Dieu jaloux est un Dieu qui sauve et qui délivre. Le Dieu jaloux est celui qui est rentré dans la prison de Paul et Silas. Il est le Dieu jaloux parce que Paul et Silas l'aimaient, Paul et Silas le désiraient. Et quand il a vu le niveau de soif et le désir de lui qu'ils avaient, il n'avait pas de rivaux. Dans la prison, Paul et Silas ne se sont pas mis à maudire le gouvernement. Ils ne se sont pas mis à maudire le geôlier. Ils n'ont pas dit au geôlier qui les a enchaînés, qui va te juger, maudit sois-tu. Non, ils ne faisaient qu'exécuter les ordres. Mais toi, tu as jugé. Tu es dans une prison et tu juges les gens. Oh, tu es dans une prison déjà. Et tu passes ton temps à juger les gens. À juger ceux qui t'ont enfermé. À juger ceux qui ont fait ci. À juger celui qui t'a mis les chaînes. À juger celui qui n'a pas payé tes études. À juger ton père parce qu'il a fait du mal à ta mère. À juger ta mère parce qu'elle a fait ça de toi. Tu es en prison déjà. Et tu passes ton temps à juger. Sanctifié dans vos Christ, dans vos cœurs. Christ, le Seigneur. Il ne t'éloigne pas la perfection. Et sanctifie-le. Renonce. Renonce à la fausseté, l'hypocrisie, comédienne. Tu as déjà ta récompense. Tu lèves des mains hypocrites, tu as ta récompense. Mais ce soir, nous venons devant le trône de grâce pour implorer miséricorde. Avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, convaincu que tu es le Dieu de compassion, convaincu que dans ta miséricorde et dans ta compassion, tu ne contestes pas toujours lorsque tombent en défaillance devant toi les âmes, les cœurs que tu as fait. Tu te souviens que nous ne sommes que poussière devant toi. Comment pourrions-nous contester avec toi? Tu es Dieu, nous ne sommes rien. Nous sommes ce que nous sommes uniquement par ta grâce, par bénéfice de la rédemption, mais en nous-mêmes. Nous sommes rien.
nous ne voulons rien, nous n'avons rien. Nos capacités, nos sources sont en toi. Il n'y a rien de bon en nous, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de bon en nous. Tout ce qui est de bon en nous vient de toi. Abba Père, nous nous humilions, nous te supplions, viens nous délivrer de nous-mêmes. Viens nous délivrer de l'endurcissement de cœur. Viens nous délivrer de la folie attachée au cœur de l'enfant. Et pendant que tu viens sur nous, viens sur les gens que nous portons dans nos cœurs. Viens sur les gens qui sont prisonniers. Viens sur mon père, viens sur ma mère, viens sur mes frères, viens sur mes soeurs, viens sur mes amis, viens sur tous les gens que j'aime bien et qui ne te connaissent pas, qui sont eux aussi endurcis et qui malgré mes paroles ne sont pas convertis. Ne t'arrête pas à moi. Quand tu es rentré dans la prison de Paul et Silas, tu ne t'es pas arrêté à Paul et Silas. Tu as libéré les prisonniers. Commence par moi, viens à travers moi, je t'en supplie. Rachote Gomeri. Mala la macho. Eh maro mari hata mara ole. Oh mara vira la rosa. Oh mara desina ma cosa. Oh la mare sala di ma tu che mara. Ah la madosa tu cala la dosina. I madara dosia la madera baro. Viens me vider de moi, viens me vider de moi, viens me vider de moi, me débarrasser de moi, me faire haïr ma propre vie, me faire haïr mon moi. Oh paradis, mando paré à toi, sado, le matin, la dose et la patria. Oh la mal est nous avaler la douce. Salinale, raya la dose et ma dose. De moi, Père, regarde en moi. Sonde mon cœur, éprouve mes pensées. Oh, scanne-moi, scanne-moi. Viens comme un feu de la tête aux pieds. Viens comme un feu, réponds-toi en moi. Viens comme un feu, réponds-toi par moi. Aie compassion, Père, de ton Église. Aie compassion, Père, de nos familles. Et compassion, Père de nos pays. Ah, madame, soirez-nous. Et la cobra tous car les chats. Je me présente devant toi. J'affiche ma nudité. Je ne veux rien cacher. Je renonce à l'hypocrisie. Je renonce à faire semblant. Je viens à toi comme je suis.
je n'ai pas d'habillement. Je ne me couvre pas de ma justice. Je ne m'appuie pas sur mes bonnes œuvres. Je m'appuie seulement sur la justice de Dieu. Je m'appuie seulement sur les mérites de ton sang. Sur le sang de Jésus-Christ. Je ne m'appuie pas sur mes 10 ans de conversion. Je ne m'appuie pas sur mes 10 ans d'abstinence. Je ne m'appuie pas sur mes 10 ans de dîmes et offrandes. Parce que je ne mérite à toujours rien du tout. Je m'appuie seulement sur ta fidélité. Je m'appuie seulement sur tes compassions. Je reconnais que je ne mérite rien. Ce que je méritais, c'était l'enfer. Sans rien, sans rien. Je ne m'appuie sur rien d'autre que sur le sang. Je ne m'appuie pas sur mes bonnes œuvres. Je ne m'appuie pas sur ce que j'ai fait hier avec toi. Je ne m'appuie pas sur les réussites du passé. Je viens comme je suis. Je ne m'appuie pas sur mes titres. Je ne m'appuie pas sur l'approbation des hommes, non, non. Je ne m'appuie pas sur les acclamations humaines. Oh, je n'ai que le sang de Christ. C'est uniquement à cause du sang que j'ai été agréé. C'est uniquement par le sang que j'ai été accepté. Je ne m'appuie sur rien d'autre. Je viens tel que je suis. Mais je t'en supplie, change-moi. Aïe, à la magoto, ça va. Ah, malito, bratos, que para tous. Oh, non, que tous les mains. Amarocha. Et les bratas, et que tu paras des barons. Imaratos, et que maratisa. Imaratos, et que le maillot. Et barons, barons, et la dosia. Je m'appuie que sur le sang. Je ne m'appuie que sur tes compassions. Je ne m'appuie que sur toi. Je n'ai rien d'autre. Je ne m'appuie que sur tes compassions. Je n'ai pas d'autre argument en dehors du sang versé pour moi. Oh, aie compassion de moi. Aie compassion de ma maison. Aie compassion de ma famille. Aie compassion de ton église. Aie compassion de notre état. Aie compassion des dégâts que nous causons. De notre manque d'amour. Aie compassion de nos pays. Aie compassion de nos dirigeants. Nous aurions dû être des lumières. Nous sommes nous-mêmes enveloppés dans les ténèbres. Alors ce soir nous venons. Ce soir nous nous humilions. Aïe, ramato para. Ipara kato pere. Chez la marée. Nous t'implorons à ma paix. Nous te supplions à ma paix. Nous venons sans rien. Nous venons sans artifice. Nous avons enlevé les maquillages spirituels. Nous avons enlevé les maquillages émotionnels. Nous avons enlevé les désirs. Nous avons enlevé les désirs d'impressionner les gens. Les désirs de plaire aux pasteurs, de plaire aux hommes. À ma père, nous venons sans rien. À ma père, nous venons sans rien. Non, non, non. Non, devant toi. Nous livrons à toi. Fais le ménage au-dedans de nous. Ne laisse rien qui n'est pas de toi. Sois sanctifié, Christ le Seigneur. Sois sanctifié, Christ le Seigneur. Sois sanctifié au-dedans de nous. Et fais de nos cœurs la piste d'atterrissage. La piste d'atterrissage de ta gloire. La piste d'atterrissage de ta visibilité. Et fais de nos cœurs à ma paix. La piste d'atterrissage de l'honneur. Oh, s'il te plaît, nous voici. Sans rien, non, non, sans rien, non, non.
Nous avons enlevé les maquillages. Nous avons enlevé les rivaux. Nous avons enlevé les maquillages. Nous avons enlevé les contourings de l'âme. Nous avons enlevé les contourings. Nous avons tout enlevé. Oh, ma Père, nous voici. Reçois-nous dans ta présence. Tu as créé le sacrifice en relâchant ton feu. Accomplis tes paroles. Accomplis, Père, les prophéties pour lesquelles nous sommes enceintes. Les prophéties de guérison. Les prophéties de délivrance. Les prophéties de faveur. Les prophéties de mariage réussi. Les prophéties de promotion. Les prophéties de richesse pour Dieu. Accomplis vers les prophéties. Les prophéties de témoignage. À la gloire de ton Saint-Nom. Venons sans rien. Nous nous appuyons sur le sang. Nous nous établissons sur le sang. Ce soir, fais parler le sang. Fais parler le sang de mon grand frère. Aïe! Fais parler le sang de mon grand frère. Aïe, la malose. Fais parler le sang de mon grand frère. Relâche le feu du jugement. Le feu qui agrée le sacrifice. Alors je saurai que tu agrées ma prière. Quand cette douleur disparaît. Quand ces corps étrangers sont dissous. Quand ces voix sont arrachées loin de moi. Et je ne les entendrai plus jamais. Je reconnaîtrai que le feu a été relâché sur moi. Quand je n'entendrai plus de rivaux, non, c'est fini. Quand il n'y aura plus de douleur dans ce corps. Quand cette maladie meurt à la racine. Et ces corps étrangers qui causaient des douleurs meurent à la racine. Que ces masses et ces boules meurent. Sans rien, sans rien, sans rien. Que ces serpents soient détruits. Qu'ils soient jetés loin de moi. Qu'ils soient jetés loin de ma vie. Et que je sois tout entier à toi. Alors je reconnaîtrai que tu m'as agréé. La preuve que tu m'as exaucé. Est-ce que tu me rends tout entier à toi? Et aucune autre voix que ta voix n'est entendue dans mon cœur. Aucune autre main que ta main n'est posée sur moi et ma maison. Aucun autre que ton cœur ne bat à travers moi. Aucun autre dépôt que ton dépôt n'est combattu à l'intérieur de moi. Aucune autre plénitude que le Christ n'est combattu en moi. Aucune autre romance que ta romance ne conquiert mon cœur. Aucune autre condition que ta richesse, ta prospérité à tous égards. C'est la fin de la pauvreté. C'est la fin de la médiocrité. Et si je reconnaîtrai que tu m'as pris, que tu m'as consacré à toi, et que dans mon cœur Christ le Seigneur est désormais sanctifié, il n'y aura plus de tristesse, non. Il n'y aura plus de découragement ni dépression, non. L'impudicité ne tiendra pas devant ta majesté, ta sainteté. Il n'y aura plus de pensée de débauche, non. Oh, sa sainteté parlera. Ta pureté me conquiert. Je viens devant toi, Abba. Sans rien, non, 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 non. Je ne m'appuie que sur le sang. J'ai les mains du sang de mon grand frère.
Je te remercie de me scanner ce soir. Oh Dieu, jaloux. On te voit pendant ces 21 jours. Sois visible pendant ces 21 jours. Apparaît pendant ces 21 jours. Oh, manifeste-toi. Par les miracles, les prodiges, les signes, les percées surnaturelles, les jugements divins, la rétribution des méchants, la rémunération des justes et de ceux qui te cherchent. Ah, la restauration des années perdues, de la santé perdue, des opportunités perdues, des faveurs perdues, des grâces perdues. Ah, la restauration de ta justice. Ainsi je reconnaîtrai que tu as eu compassion de moi et que tu m'as délivré et que tu m'as réquisitionné. Ramachette comparé. Oh marado paradis à mara. Je sors d'ici avec un cœur nouveau. Une piste d'atterrissage de la gloire. Une piste d'atterrissage de la gloire. Je sors d'ici avec un nouveau cœur. Avec une nouvelle romance. Avec une nouvelle passion. Plus jamais de cohabitation. On te trouvera toi seul. Tu seras sanctifié. Dans nos cœurs, Jésus-Christ. Ramaché ton camarade. Ratabarado separa. Maintenant qu'il y a la piste d'atterrissage, exécute tes jugements. Manifeste les prophéties. Oh, manifeste les enfantements. Je vais te dire que je te fais confiance. Je ne raterai pas ma saison. Non, non. Je ne serai jamais confondu. Cette situation n'est pas pour ma vie. Non, non, non. Cette condition de frustration ne durera pas la vie. Non. Mon jour s'est levé. Ma nuit est déjà finie. Pour moi a commencé l'aurore. Le soleil ira jusqu'en son éclat. Le témoignage sera glorieux. Le témoignage sera admirable. Et ça sera beau à voir. Je te rends la gloire. Nous te rendons la louange. Dans les actions de grâce, toi qui as eu compassion de nous, honneur, louange et gloire à toi, à ma Père, avec action de grâce, nous t'avons ainsi adoré, nous t'avons ainsi supplié, nous t'avons ainsi imploré, nous rendons grâce au Dieu qui a eu compassion de nous. Nous rendons grâce au Dieu qui nous a conduits. Nous rendons grâce au Dieu qui nous a assistés. Nous rendons grâce au Dieu qui a étendu sa main. Nous rendons grâce au Dieu qui a envoyé sa parole. Et qui ce soir nous a délivrés par sa parole. Nous te rendons la gloire. Les actions de grâce. Rate brakoto sapara. Imato bratis kataya le maro. Nous rendons grâce au Dieu qui nous a exaucés. Parce que tu exauces la prière que tu m'inspires. Tu exauces toujours la prière que tu m'inspires. Rabado Sheketumara. Nous te rendons la gloire. Abba Père, Rama Château Prati. Pour le ministère du Saint-Esprit. Oh, comment tu as eu compassion de nous. Tu savais que nous ne savons pas comment il convient de prier. Mais nous te rendons grâce. Ce soir, le Saint-Esprit nous est venu en aide. Et Saint-Esprit, tu as intercédé pour nous par des soupirs inexprimables. Père, nous voulons te dire merci. On n'a pas fini. On ne fait que démarrer.
mais nous sommes reconnaissants pour le toilettage et le nettoyage de la piste d'atterrissage. Oh, la piste d'atterrissage est en train d'être nettoyée. Et Père, ce soir, dès ce soir, il y a des personnes qui sont malades, qui sont affligées, qui sont dans le lit de la souffrance et de la douleur. Alors qu'il a été annoncé un corridor sécurisé pour quiconque veut participer à ces 21 jours. Voilà pourquoi toi qui es dans le lit de l'affliction et qui m'écoutes, mets la main sur ton corps et là où tu as mal. Et si ce n'est pas localisé, c'est partout, alors mets la main sur ta tête. Rata gato mata. Chole makados para. Il a été annoncé un corridor. Et toi, maladie, affliction, esprit méchant, tu es en train d'empêcher quelqu'un de se joindre aux 21 jours. Alors que le Père a créé le corridor, il y a un tunnel sécurisé. Et maintenant que son cœur a été aplani, je déclare que la gloire, la puissance, le règne, la puissance atterrissent dans ce corps qui est connecté au son de ma voix pour guérir par les meurtrissures de Jésus. Maintenant, je commande à ce que le Père n'a pas planté dans ce corps. Je te lis, esprit impur. Je te lis, esprit méchant. Je te lis, esprit d'infirmité. Dégage. Je détache sa santé. Je détache sa respiration. Quitte ton lit. Lève-toi et marche. La vigueur de Christ te pénètre maintenant. De la tête aux pieds. Lève-toi de ton lit. Lève-toi là où tu es affligé. Je réprime l'esprit de paralysie. Je réprime l'esprit de folie. Je réprime la trépanocytose. Je réprime la mucoviscidose. Je réprime cette paralysie qui te met dans ce fauteuil. Je réprime. Rakatoma la bania. Et par lève-toi. Tu vas m'attester, que tu as marché. La vigueur de la tête aux pieds t'attrape et te saisit. Et je vois la main du Seigneur te prendre du lit de l'affliction et te mettre dans le refuge du corridor qui a été annoncé. Tu rentres dans ce corridor. La douleur reste dans hors du corridor. Il n'y a pas de douleur dans le corridor que je suis en train de voir. Je déclare que la main de l'ange du Seigneur te transporte dans le corridor et les douleurs restent hors de ton corps. La condition qui t'affligeait, jette ton corps. Elle a disparu. Maintenant, maintenant, maintenant. Rato, parakato, sekepara. Le serpent qui voulait t'attraper et t'empêcher de rentrer, de jouir des pierres de 21 jours, tu ne le trouveras plus. Il est brisé. Maintenant, tu es délié, tu es délié, tu es détaché, détaché, guéri, guéri. Reçois ta guérison. Je ne t'entends pas parler, même si tu es en présentiel. Élève la voix. Reçois ta guérison, ta délivrance. Tu n'es pas en train de prier pour moi. Tu es en train d'accompagner de tes prières d'intercession la délivrance et la guérison de ces bien-aimés que je vois maintenant qui sont couchés dans la douleur. Lève-toi et marche. Ramacheta Kamalo et Paratasia. Oh para, Iparatea. Nebreketopa. C'est gâteau. Matata. Regarde. Allez, reste debout. Tiens-toi debout. Marche. Retrouve la vigueur. Retrouve la vigueur dans ton corps. Au nom de Jésus. Que les masses, les corps étrangers, les boules, les tumeurs, les grosseurs, les rondeurs, par le sang de Jésus, soient désagrégées. Elles quittent ton corps. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Les serpents, elles mordent ton corps. Dégagez. Reçois la relâche, reçois la guérison, reçois la délivrance, reçois la guérison, reçois la délivrance, reçois-la, de la tête aux pieds, le feu, le feu, le feu, feu de Dieu. N'épargne rien, Saint-Esprit, mais dans le corridor. On a dit corridor spirituel, c'est pas pour rien. Quand on dit corridor,
ce corridor. Alors tu vas dans le corridor. La douleur reste derrière. Elle reste dehors. La maladie reste dehors. La tumeur reste dehors. De la tête aux pieds. Ton corps, au nom de Jésus, est un nouveau corps. Un nouveau corps. El Shaddai te donne un nouveau corps. Il te donne un nouveau corps. Il te donne un nouveau corps. Un nouveau système immunitaire. Des nouveaux reins. Une nouvelle peau. 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 Rachato qui parle. Namarose. Tu rentres dans le corridor. Hé! Hey, merci. Tu te lèves, tu restes debout. Tu rentres dans le corridor. Et tu vas envoyer un témoignage au numéro qui s'affiche à l'écran. Tu peux attendre demain, il n'y a pas de souci. Tu peux attendre demain. Soit maintenant, soit demain. Mais si tu vois que maintenant c'est parti, témoigne maintenant. Il y en a, tu vas dormir. Tu vas te réveiller totalement libéré. L'esprit de mort qui voulait t'emporter a été lié ce soir. Ta vie est relâchée. Je finis. Ésaïe 14, 27. Il est écrit. Le Seigneur des armées. Ésaïe 14, 27. Le Seigneur des armées a déclaré corridor. Il a pris une résolution. Qui va s'y opposer? Sa main est étendue pour confirmer et vérifier l'exécution de la résolution. Qui va la détourner? Que cette main qui s'était levée dans ta vie, contre ta vie, ne soit plus jamais trouvée. Je ne dis pas qu'elle sèche, je dis qu'elle a disparu. Elle a été désintégrée. La main a disparu au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur qui fait ces choses et qui confirme cette parole de ce soir. Oh bien-aimé, joins-toi au cancer d'action de grâce qui monte vers le trône de grâce. Au nom de Jésus le Christ. 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 Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Sur Internet, il y a quelqu'un qui est reconnaissant, qui est en train d'acclamer et de mettre des pouces. Dans la salle, il y a quelqu'un qui est en train d'acclamer et il va mettre des pouces tout à l'heure. Ah, ma Père, nous te rendons grâce. Assurément. Assurément. Aie compassion de nous. Il n'y a rien de bon en nous. Il n'y a rien. Tout nous vient de toi. Selon qu'il est écrit, toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Nous te rendons la gloire, nous te rendons les actions de grâce. Abba Père, dans le nom de Jésus le Christ, nous voulons te dire que nous baignerons dans cette atmosphère, mais nous nous attendons à toi. Encore cette nuit et encore cette semaine et encore pendant ces 21 jours. Appuyé sur ta fidélité et sur les paroles que tu as relâchées. Parce que tu as dit, ça ne sera pas juste, on ne va pas juste concevoir. Parce que beaucoup d'entre nous, ça fait longtemps qu'on a conçu. Les bébés sortent. Et c'est ce qui sera constaté. Ta visibilité. Honneur. Louange et gloire à toi.
dès maintenant et dans toutes les générations. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 C'est une excellente soirée. Si quelqu'un veut rendre grâce à Dieu, rendre grâce à Dieu. Je ne sais pas, oui, merci. Il y a des corbeilles devant. Il y a la possibilité de rendre grâce à Dieu pour toi qui es sur Internet. Si chaque soir tu veux rendre grâce à Dieu, on va t'encourager à le faire chaque soir. Excellente soirée dans sa présence. Va avec cette atmosphère. Remets-la à la maison. Baigne dedans. Quelque chose s'est passé. Excellente soirée au nom de Jésus.